Oh putain, c'est con. Abonnez-vous à notre chaîne Goza Gameplay et activez la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos. Ça va? Ouais. On va bien sur le terrain. Ici Radio Libre. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous les avez peut-être vus ou entendus. Et vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Mais c'est la preuve que j'avais raison. Vous pensez que le Nero et tous les autres étaient morts là dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Mais non, comme je l'ai dit, ils se planquent depuis le début. Émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Et après 15 ans, ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de 2 ans. Ces types-là, ils vont tirer à vous. C'était Marc Copland pour Radio Libre. Ne gobez pas les mensonges. Putain, Cop, ils vont rien récupérer du tout! Tu racontes n'importe quoi! Enfin, à part que... Ouais, ils tireront à vue! T'as de la chance! Saint John, passe à Hot Springs quand tu pourras. Docteur, bien reçu, terminé. Saint John, tu m'entends? J'ai parlé à Alkaï l'autre jour. Entre autres. Je sais que tu bosses pour le corps. Je voulais simplement te remercier pour ton aide. Faudrait que je fasse le plein. Deacon Saint John, ici Tucker. Comme je te disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Boozer dans le coin. T'es sûr qu'il va bien? Ça va, ici Deacon. Boozer va bien, je t'ai dit. Ici Deacon. Boozer va bien, je t'ai dit. Il est juste occupé. Sûrement armé pour ce fils de pute. J'ai comme l'impression que Boozer ne porte pas dans son cœur. Je te l'ai dit, je suis pas sa régulière, tiens. Cop, cet homme que je traque, il a tué qui? Est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cop? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je
je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande ? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Ce camp va grouiller de mutants. Oh non, 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 il vaut mieux laisser la bécane ici. Sinon, elle va ramener tous les mutants à la ronde. À l'autre à l'intérieur. Ouais. Ok. Il doit y avoir un nid dans cette cabane. Oh ouais, un nid. Ok, les gars, continuez de pioncer. Faites pas attention à moi. Un nid de moins. Combien il en reste ? Ça vous plaît, hein? Venez, bande de fils de pute, amenez-vous! Ça peut toujours servir.
entrepôt. Ouais, le genre d'endroit où vous vous sentez comme chez vous, hein. Tant quoi. Oh putain de mutant. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans, hein? Que je sois prudent par ici.
Putain! Allez, les gars. Chauffer. Dehors, je me suis dit que j'allais vous aider. Merde, c'est à court. Merde, je suis à court. C'était le dernier. C'est pas trop tôt. Boozer, c'est fait. Je me suis débarrassé de Ceni. Il devrait y avoir moins de mutants dans la montagne pendant un temps. Hey, Dick. Comment ça s'est passé? Ils étaient nombreux? Non, ça allait. C'est pour ça que je voulais m'en occuper de nuit. Cela dit, certains étaient carrément balèzes. Ouais, le froid les rend plus forts. Mais je t'apprends rien. Ouais, Boozer, je le savais déjà. En tout cas, merci. Merci de faire tout ça, Dick. Allez, repose-toi, Boozer. Terminé. Thank you.
Nikop, cet homme que je traque, il a tué qui? Est-ce que ça peut te foutre? Vous payez pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Nikop? Nardo s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Biker, tu peux entrer. Salut. Hey, Cope. Je crois que Léon devait te ramener ça. Ah, Dick. T'as pris la bonne décision. Vraiment. Va voir Manny. Il pourra peut-être t'aider avec ta moto. Groupe dit que tu t'investis pas mal pour... Quand il te le dira jamais en face, mais il apprécie vraiment. Hey, Manny. Ok. Tu sens mieux? Je peux te faire le plein si ça te dit. Ça, c'est du bon matos. Je prépare tout ça comme il faut. Excellent choix, mon pote. Excellent. Super. T'as besoin d'autre chose? Tu devrais tenir un moment avec ça. Ah ouais, ça c'est du bon matos. Prépare tout ça comme il faut. Tu sais où me trouver ?
Ok. À la prochaine. Pourquoi t'es pas au pieu, bordel? J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Dans le tunnel. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Bowser, écoute. Je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Mais tu ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte. Et les tulipes, c'est pour les mutants aussi. Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Même qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Boozer. Repose-toi, faut que j'y aille. Terminé. Et c'est pas des tulipes, Boozer, c'est du sédum. Rien à voir. Argenté, réservoir rouge, c'est lui. Oh putain! Qu'est-ce que... Donc t'as cru que tu pouvais traverser le camp de Gobelins et tout mitrailler, c'est ça? Piquer des gens, piquer des matos, et te casser. On a fait un tour au supermarché. Ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée Drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny, hein? Qui réparerait ma moto, hein? Sale petite merde. Va te faire foutre! T'es un des larbins de Copland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Coupe, c'est fait. Je tiens. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Il est en vie. Drifter. Drifter. Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il en restera. Terminé. Dis-lui ce que... Dis-lui, Drifter. Dis-lui ce que j'ai dit. Dis-lui qu'il pouvait aller se faire mettre. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. J'ai encore cassé un putain de rasoir ce matin. De notre soi-disant utopie mondialiste,